Ça va durer comme ça toute l'émission. Sur ces sonorités de Mahrez, je vous dis bonjour ya jemaat el khair azoul filawin, sabah el khair alaykoum, j'espère que tout le monde va bien. Marhaba bikoum fi le rendez-vous el mu'tad taakoum. Marana sakteen au 021 78 24 45. معانا شهرز دعمروش كالعادة. مس الخير حمزة, مس الخير عليكم المتابعين. مس الخير, مس الخير عليكم كاع. جو سي با بوكوا شو ان تران دو كريي ان رو ان رو بيتي كو دو مهراس ان سوليداريتي افيك نو زامي ديتنو. جو كرو كو ميم لا هاد الظاهره هادي تاع المهراس جو كرو كو سافا ريبروندر, راح تبدا اليوم. Elle va reprendre parce que quand tu bdat yamat maqbel ou elle va reprendre le yoma, donc à 20h gab el mahras taakom ou dirou le maximum de bruit. Marhaba bikoum fi el adad 21 min marana sakteen. Aujourd'hui cela fait 3 semaines qu'on vous accompagne dans ce confinement. Merci d'ailleurs pour votre soutien et votre fidélité. Bien sûr, sans vous, on n'existerait pas. Donc dans le programme d'aujourd'hui, un programme riche comme d'habitude. Enfin, un peu plus riche que d'habitude. Harasna bach nkemmelou yani semaine ma3koum en beauté. Donc tour d'actualité ensemble comme d'habitude, une rubrique santé avec notre ami qui va Esma de zainel.com qui va nous faire le plaisir d'être avec nous, qui va nous montrer un peu, nous donner les gestes réflexes qu'on doit avoir aujourd'hui, plus des techniques de respiration pour combattre le stress. Aujourd'hui aussi des images époustouflantes d'un Alger ville fantôme comme vous ne l'avez jamais vu. Donc des images franchement hallucinantes, ce qui prouve que les Algériens ont tout de même joué le jeu du confinement. Donc on n'est pas totalement irresponsable. On aura aussi bien sûr vos appels, l'interaction avec vous à travers le live Facebook. Nous irons aussi en deuxième partie fait short de 10 min maraj sakteen, comme d'habitude prendre des nouvelles et prendre la température de nos amis les associations Ferri ou Abra Riwaq El Abyad. Nous essaierons aussi de contacter une personnalité dans la rubrique People. Bien sûr tout ça dans la joie, la bonne humeur et le manque de sommeil, hein, le manque de sommeil et de caféine. Mais d'abord let's get started with Shahrazad Amrouche and the Bulletin of Information. مرحبا بكم متابعينا مجددا في الموجز الإخباري لظهيرة اليوم. البداية مع الصحة, حيث عاد معدل الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر للارتفاع, وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس عن إحصاء 199 إصابة جديدة بالفيروس, فيما تم إحصاء 7 وفيات جديدة, وفي المقابل سجلت 51 حالة شفاء. منح وزير المالية عبد الرحمن راوية ترخيصا جديدا يقضي بتمديد آجال تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2020 إلى غاية 30 من شهر جوان عوض 31 من شهر ماي من السنة الجارية. أعلنت الحكومة في تعليمة وزارية مشتركة بين وزارتي التجارة ووزارة الداخلية والجمعات المحلية عن إجراءات إضافية مشددة تهدف إلى التأطير الصحي باستئناف بعض الأنشطة التجارية المخصصة وفقا لتعليمة الوزارة الأولى الصادرة بتاريخ 25 من شهر أفريل. ومن بين التدابير الإلزامية وضع ممسحة للتطهير عند دخول الأماكن وتطهير وتنظيف كل مساحات المحل باستمرار. وقع منتدى رؤساء المؤسسات على بروتوكول شراكة مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين ينص على التزام الطرفان بتوحيد جهودهما لمكافحة انتشار وباء كورونا. كما يلتزم منتدى رؤساء المؤسسات بتقديم الدعم المادي لمراكز التكوين المهني عبر الوطن لإنتاج 5 ملايين كمامة صحية. لقي 4 بحارة من طاقم سفينة صيد مصرعهم فيما نجا قائد السفينة في حادث غرق سجل مساء الأربعاء إلى الخميس بعرض شاطئ الجميلة بالجزائر العاصمة. ولقي البحارة حتفهم بعد رحلة صيد دامت ليلة كاملة قبل أن يتفاجأوا بالمياه تغمر القارب. وهذا حسب ما نقله موقع الإذاعة الجزائرية عن رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات بيتي بازا. في آخر خبر, رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر طلب الإفراج المؤقت على الجنرال المتقاعد علي غديري والذي تم تقديمه من طرف دفاعه إلى الجهات المعنية. وحسب المحامي خالد برايو فإن القاضي المسؤول عن ملف الغديري
طالب بمعلومات إضافية. بهذا أنهي معكم ورقة الإخبارية لظهيرة اليوم. نعود بكم من جديد في استوديو مارانا الساكتين. Can I have the feedback on my cask please؟ ما عنديش الريتور في الكاسك. C'est bon. Donc dans le programme d'aujourd'hui, on va parler un peu des saisons blanches. C'est bon. On va parler des saisons blanches en football ou la flaqraya, les années blanches. Est-ce que Dzaïr تعرف يعني des saisons blanches football يعني في الرياضه باجمعها ou flaqraya plus précisément. À la banabilek en France, les universités reprennent en septembre, les primaires et les crèches reprennent hein, dans le qui classe le confinement le 11 mai, c'est ça, si je ne m'abuse. Donc du coup après les lycées, ça dépendra aussi des zones géographiques. Dans le football, la quasi totalité des championnats européens voire mondiaux sont à l'arrêt suite à la pandémie bien sûr du coronavirus. Donc beaucoup d'acteurs du football se demandent comment va-t-on faire pour clôturer une saison au calendrier chargé qui aura pris au moins deux mois de retard, pardon, je vais y arriver. Donc chacun y va de sa solution un peu. Il faut pas reprendre ou qu'il faut reprendre mais de façon très accélérée. Donc la première solution justement, arrêter net les championnats et rendre caduque la saison. Cela semble l'alternative la moins coûteuse du point de vue logistique. Donc plus besoin de bousculer le calendrier pour rattraper le temps perdu. Qu'un les collègues aussi finir vite et bien. Donc seconde solution, reprendre les championnats dès que possible et aller au bout de la saison. Je peux donner l'exemple de Gérard Lopez, qui est le président de Lille, qui estime ainsi que la seule solution viable, c'est la pire des choses qui puissent arriver, c'est que le championnat se termine pas sur le terrain. Donc du coup, il est pour finir vite et bien, reprendre le championnat et le finir vite et bien. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez, vous, du devenir des saisons scolaires ou la sportive Fidzayel, dites-le nous au 021 78 24 45. Ok, donc le programme de l'Yuma. Comme j'ai dit tout à l'heure, au programme, Asma de Zainel.com et de Dr M qui va nous donner un peu des conseils quant à comment combattre le stress dans cette période de confinement. On va commencer peut-être par une... Oula, je vais parler... Anna Ring, we have the first call. Allô, allô. Oui, allô. Oui, bonjour. Oui, sabah al khair. Sabah al-Nour. صباح النور مدام مرحبا بك في مرانا الساكتين. بونجور حمزه صباح الخير. صباح الخير صباح النور والياسمين. كومون صافا مدام؟ شكون معنا مدام؟ كومون فوز ابلي مدام؟ alors j'ai déjà fait des interventions sur votre radio. C'est Lamia qui vous appelle aujourd'hui parce que le thème. Lamia مرحبا بك Lamia. Merci. Vous m'entendez bien? Très très bien, 5 sur 5. Oui. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est en termes d'années scolaires ou sportives, hein, ça va ensemble. Donc, en France, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Alors, en France, on a eu les dernières directives qui ont été annoncées par le Premier ministre il y a ça deux jours. Il a fait une longue déclaration sur le déconfinement à partir du 11. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi le débat et puis ça a été fortement relayé par les médias. Oui. Donc on déconfine effectivement de façon progressive au 11 mai, avec une reprise effective fort probablement le 1er juin. Maintenant, pour envisager la question en ce qui concerne la reprise l'année blanche, non, il n'y aura pas d'année blanche en ce qui concerne les enfants en France et les écoliers. Les universités ne reprendront pas, mais toute chose a été organisée pour qu'il y ait un suivi des recherches, des travaux d'étudiants, des cours, parce que tout a été mis en ligne. Ça s'est organisé comme ça depuis déjà un moment. Mais en ce qui concerne
Les lycées, pour le maintien du bac, là encore, c'est quelque chose qui va venir au fur et à mesure. Hein. On maintient effectivement le bac, mais peut-être avec d'autres modalités qui sont plus souples Oui. au vu des circonstances. Maintenant, pour les écoles maternelles, crèches maternelles, écoles primaires, il y aura une reprise progressive, une réouverture des écoles en fonction des zones. Justement, concernant les écoles, est-ce que vous pensez que cette initiative est juste là pour accompagner la sortie un peu économique, pour ne pas laisser les parents, enfin, pour ne pas laisser les enfants chez eux, enfin, livrés à eux-mêmes alors que les parents sortent travailler? Alors, c'est une question un petit peu complexe. Je n'ai pas de réponse claire à donner là-dessus. C'est peut-être que oui, il y aura sans doute l'enjeu économique, parce que oui, il faudra libérer les parents pour que la machine économique redémarre. Il y a aussi cette question de que les enfants doivent impérativement retrouver la dynamique de l'école. C'est très compliqué. On a énormément parlé d'inégalités sociales pour ne pas laisser les enfants en dehors du circuit, si vous voulez. C'est très compliqué de parler de ça parce que ces inégalités existaient déjà en amont. Un enfant qui est déjà pas forcément en décrochage, mais qui a des difficultés, rencontrera certes des difficultés plus importantes en déconfinement. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? C'est trop tôt pour le dire. C'est quelque chose qui s'organise au fur et à mesure. Il y a des précautions qui seront prises, qui sont déjà mises en place pour assurer la distanciation physique des enfants, la sécurité des enfants, mais c'est trop tôt. Je pense que ce sont des choses qui s'ajusteront au fur et à mesure. D'accord. Et ça, c'est, voilà. Oui. Est-ce que vous pensez, si bac il y aura, ou tout autre examen final, est-ce que vous pensez qu'il n'aura pas la même valeur en fait qu'auparavant? Alors, moi, je suis de ceux qui ne, qui, je n'ai jamais estimé qu'un diplôme devait porter une valeur, en tout cas en termes de notes ou d'appréciation, si vous voulez. C'est vrai. Il aura, c'est pas une question de valeur, mais c'est voilà. Comment est-ce que C'est pas une question de valeur, mais pour le moment, en fait, c'est on va dire que c'est décisif. Ça reste décisif quand même. bien. Tout à fait, tout à fait. Il y a des examens qui sont très décisifs, notamment pour les lycéens, Oui. pour ceux qui passent leur bac, pour les gens qui passent leur concours, bien évidemment. Mais je pense que les modalités d'évaluation s'adaptent aussi aux circonstances. Maintenant, est-ce que ça a la même valeur ou pas la même valeur? Ce n'est pas tellement la question de fond. Ce D'accord. n'est pas tellement la question de fond, parce qu'il y a de toute façon tout un débat qu'on peut ouvrir hein, sur la question de la valeur des diplômes, notamment dans les circonstances du confinement. Oui, on peut même ouvrir des débats sur tout le système éducatif tel qu'il est aujourd'hui. Absolument, absolument, absolument. De toute façon, c'est un débat qui est ouvert. Il y a des gens qui interviennent, il y a des gens qui réagissent, qui donnent leur. Et puis, c'est un travail collectif. C'est un travail collectif. Oui. Aujourd'hui, c'est très difficile de mesurer le résultat. Il faut d'abord reprendre, et puis on va voir sur le terrain. C'est une question d'ajustement quotidien, régulier. Et puis on verra ce que ça donnera. Mais non, il y aura pas d'année blanche. Ça n'a jamais été inscrit dans ce sens-là, en tout cas. Super, merci beaucoup Lamia, merci pour votre Merci. participation. Et Merci beaucoup. Merci à vous. merci et sahaftorek, sahar dans toute la famille. Sahaftourkom. Sahaftourkom. Merci, Ma'assalama. au revoir, ma'assalama madame, merci d'avoir participé. Avec nous, Esma de Zeynel.com et de Docteur 1, merci beaucoup Avec de plaisir. nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Naïsine. On va parler un peu des gestes réflexes qu'il faut avoir aujourd'hui, notamment nous inculquer un peu des techniques de De respiration, respiration. tout à fait. Il y a une technique de respiration en fait qui s'appelle le 4-4-8. D'accord, c'est 4 secondes, 4 secondes, 4 Tout secondes. à fait. Oui. 4-4-8 aidé. C'est une technique de respiration qu'il est préférable à l'istamel à tous les jours. D'accord. Vraiment, 3 fois par jour, ce serait l'idéal. Ou le bienfait tahahiya surtout, c'est en cas de problème de sommeil, Oui. pour réguler les émotions. Oui. Réguler les émotions, surtout à Ramadan, on est stressé. Y a Oui. pas de, bon, pour ceux qui fument, il n'y a pas de caféine, il n'y a pas de nicotine. Oui. Donc, c'est une technique pour gérer le stress. Et il D'accord. y a aussi une autre. C'est en cas de perte de concentration. Ouhad n'arrive pas à yarkaz. Il utilise cette technique. C'est une technique qu'on peut faire à la maison, dans un endroit calme, Oui.
Et surtout seul, parce que bon, c'est un peu compliqué de faire quand il y a beaucoup de personnes autour. Est-ce que c'est une technique inspirée de la technique de Wim Hof? Je ne sais pas si tu le connais. Non, je ne connais pas. En fait, c'est, je crois qu'il est du Nord et, il a mis en place une technique semblable à celle-ci, mais qui est en fait déclinée dans un environnement super froid, quoi. D'accord, ok. Et les résultats sont, apparemment, les résultats sont dingues, complètement dingues, quoi. Le bienfait, c'est que ça oxygène le cerveau. C'est ça. Et quand ça oxygène le cerveau, ça régule les palpitations du cœur. D'accord. Mais par rapport aux techniques, il y a mille et une techniques. Il y a la cohérence cardiaque, il y a la technique AD448, il y a même d'autres techniques. Tenez, il faut couper la respiration encore plus longtemps, parce que plus on coupe la respiration, plus il y a un bienfait pour l'organisme. Oui. C'est bizarre, hein, tu coupes la respiration alors que ça n'a absolument rien. Moi, c'est ce que je fais avant de commencer l'émission, je coupe un peu la respiration, ouais, je garde 5 secondes, après je relâche doucement. Ah, c'est excellent, voilà. Je sens, Exactement. Voilà, oui. Tout à fait. Et après, je suis bien, je suis zen et je commence. Tout à fait. Donc voilà, première technique, c'est la technique de... Est-ce qu'on va la voir Je peux faire une démonstration si vous voulez. Je la fais aussi avec vous. Allez. Et vous aussi, vous le faites chez vous. Voilà, alors déjà, assurez-vous d'être dans un endroit fermé, pas trop de lumière, dans un endroit fermé, d'accord, pas trop de monde autour. D'accord. Okay. Surtout, s'il y a des enfants autour, c'est même pas ça la peine. Ça va pas marcher. Voilà. Ouais. Alors, il faut mettre ses mains sur le ventre. Sur le ventre, ok. C'est une respiration abdominale. Hein. Ça n'a rien à voir avec la respiration... c'est une respiration ventrale. Ventrale, oui. Mchi abdominale, parce que abdominale, c'est hadir d'oral. Donc, il faut essayer d'envoyer l'air, felkesh, non pas dans les poumons. Tout à fait, c'est exactement ça. D'accord. Alors, inspirez. Comptez pendant 4 secondes. L'inspiration dure 4 secondes. Inspirez pendant 4 secondes. Coupez la respiration pendant 4 secondes. Anmod. Après, expirez pendant 8 secondes. Pendant 8 secondes. 8 secondes. Donc l'expiration prend plus de temps que... Tout à fait. The inhale. Minimum, il faut la faire 5 à 10 fois. D'accord. Pardon, 10 minutes. Minimum pendant 10 minutes, on fait voilà. ça. Voilà. Et 3 fois par jour. Super. Ok. Voilà. Excellent. Première technique. Merci Asma. Avec grand plaisir. Alors, je présume que c'est un antistress naturel. C'est un antistress naturel. C'est mieux que les antidépresseurs. C'est mieux que les... Bon, c'est... Si on peut faire ça avec le sport, c'est aussi bien. C'est vrai que le sport, il faut même faire 20 minutes, 25 minutes, même 10 minutes. 10 minutes, Mléha. Pour la sécrétion de dopamine et tout ça. C'est exactement ça. Ça requinque le corps. Et qu'est-ce que tu pourrais nous donner aussi d'autres comme conseil? Comme conseil par rapport à Ramadan. Peut-être le makla ou la malftor, après le ftor. Alors, le makla, j'ai dit que j'ai dit qu'il y a un forcième avec une salade de fruits. Pour éviter... Qu'aiment les sucreries, déjà, ça c'est déjà. Après, il y a une soupe de légumes. Il faut en moyenne entre 5 fruits et légumes. Oui. Voilà. Donc, j'ai ma ration. Je fais 3 fruits, fraises, china ou banane. Oui. Je mélange, donc j'ai ma petite ration de légumes, donc de fibres. Et au sinon, j'ai une soupe de légumes. Commences par les fruits, c'est ça? Je commence par les fruits. En fait, à Ramadan, je fais une cure de fruits et légumes. C'est simple. Bah, c'est génial. Voilà, de temps en temps, bon, il y a les cheat meals. Hein, les cheat meals. Il faut bien. Mais ça marche bien, les cheat meals. Oui, mais le problème à les cheat meals, c'est quoi? Enfin, en tout cas, mon expérience, hein, oui. C'est que j'étais tellement frustrée, tellement. Non, mais après, c'est bien, les cheat meals, quand on en fait une fois chaque 2 semaines ou là, c'est très bien parce que ça fait un rebond glucidique. Tout à fait. Et du coup, le rebond glucidique, il fait quoi dans le corps qui a une sécrétion kbira à l'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Et du coup, on va peut-être... Tout à fait. La sécrétion d'insuline, elle sera énorme. Tout à fait. Et même les papilles, ils changent parce que le rapport qu'on a avec le sucre, il bête. C'est vrai. Nous, déjà, plus on a le sucre et plus... On peut s'en passer finalement. Même le sucre brun et tout ça, genre on peut s'en passer. Sincèrement, le cerveau n'est voilà, c'est le sucre, c'est l'ennemi de la dépression parce que le cerveau ne peut pas absorber autant de, c'est-à-dire le cerveau est beaucoup trop toxique, le sucre est beaucoup trop toxique pour le cerveau. D'accord. On n'a pas été programmé pour absorber autant de sucre dans l'organisme. Oui. Mais on a l'industrialisation, ça a changé nos vies en fait. Alors que le sucre existe sous forme naturelle en glucose de les fruits. Fructose. Fructose voilà. Plutôt, oui. Ça suffit largement. Ça suffit largement. Parce que nos habitudes, oui. C'est-à-dire, voilà, on est...
Il y a aussi du, du glucogène dans le pain, donc on en mange déjà assez, quoi. C'est exactement. Il vaut ça. Mieux, il vaut mieux t'nhiou ou zet ou kda les damad ou kifacha. Eh, donc bon, c'est ce que d'ailleurs ce matin j'ai préparé une émission. Ça va passer l'achia. Non, ça va passer la semaine prochaine. Ah d'accord. Là, okay. Ramadan et l'immunité. D'accord. L'importance de l'immunité. Bah justement, c'est ce qu'il est en train de dire l'invité. Kalna, il faut pas enlever le gras. Parce que le corps, il a besoin de gras, le cerveau a besoin de gras. C'est très important, oui. C'est les oméga 3 et les oméga 6. C'est-à-dire qu'il faut favoriser le bon gras. Le bon gras, c'est beau dans les poissons. Dans les poissons, oméga 3 dans le poisson. Tout à fait, dans l'huile d'olive, dans le poisson. À condition que le poisson ne soit pas au four. Mais voilà. C'est vrai, c'est vrai. Autrement, c'est on en trouve aussi dans les avocats, là. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Dans les avocats aussi. Les avocats, c'est excellent aussi. Tout à fait, c'est de l'excellent gras. C'est de l'excellent gras. Tout à fait. ZDX. Voilà. C'est bon, je crois. Oui, bon. Oui, je pense. Je peux être pour aller à Ramadan. Non, j'allais dire sport fait Ramadan, parce que j'ai déjà fait ça, mais je ne sais pas sport fait Ramadan. Enfin, personnellement, franchement, genre moi ce que je fais personnellement avant genre 15 minutes avant ou la 20 minutes avant le fitr, avant l'adhan, je fais des pompes et ah oui, quand même. Je fais des pompes et des squats sautés, genre des 10 squats sautés, on a pas de pompes. Des fois j'accompagne aussi avec curl biceps avec une chaise ou là. Et je fais genre 3, 4, 5 séries. D'accord. Je suis bien plongé. Oui. Après, quand je mange, c'est excellent. Genre parce qu'il y a une fenêtre anabolique juste après. Ou qui n'a cool, genre le macrat directement de la fenêtre c'est anabolique ça. Et je me sens super. C'est l'idéal. Bon, j'avais essayé de faire ça, Mardarch. J'habite une dernière mois le fthor, Mardarch. Donc bon. Ah, moi le fthor, c'est impossible. Ouais, il y a 19h30. Ouais. Le temps de digérer 22h, 23h30. Non, c'est pas possible. Ouais, c'est... Donc bon. Essayez de le faire. Voilà. Les maqdarch de chauffe ou des vidéos, tu as des leçons. Voilà. Vous allez brûler à leur place. Merci beaucoup, Asma. Laïs Lemek, avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi. On se retrouve, Inch'Allah, une prochaine fois pour de nouveaux conseils. Avec grand plaisir. Merci, Asma. À la khair. On va écouter une petite musique. Hein. Niniola, Your Body is Necessary. My lady, your body is unnecessary. My lady, your body is unnecessary. African beauty is your body, is necessary.
body is unnecessary. نعود بكم من جديد في استوديو مارانا ساكتين استوديو راديو ام vous pouvez nous appeler au 021 78 24 45 021 78 24 45. للمشاركة في سؤال اليوم, est-ce que vous êtes pour ou contre les saisons blanches, que ce soit en scolarité ou en sport? Dites-nous ce que vous en pensez. Avant de prendre on prend un autre appel. Second call of the day. Allô, allô. Allô. Allô, sabah al-khair. Bonjour, sabah al-khair, wa salakoum. Bonjour, Rilas, notre ami Rilas, comment tu vas? Alhamdoulilah. Je vais essayer de garder le sérieux parce que Rilas, c'est mon ami. He's my best friend, basically. Basically. Ça va, Smitch? Alhamdoulilah, ça va super. Ça fait plaisir de t'avoir. Ça fait plaisir de te parler aussi. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Lyon, ma sujet Tana Rilas, c'est les années blanches, hein, que ce soit en scolarité ou en sport. Mais à toi, on va poser la question concernant le côté sportif, puisque tu es un grand sportif, tu as eu une carrière en football, tu as fini en beauté W Maya. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'année sportive, footballistique, bien sûr? D'abord, je vais dire quelque chose, c'est que je ne pense pas qu'on doit mettre sur le même pied d'égalité la scolarité et le football. Okay. Deux choses qui n'ont pas, à mon sens, le même niveau d'importance. D'accord. Donc, faire une année blanche en termes de scolarité, décaler le cursus scolaire et universitaire qu'a gagné les jeunes algériens d'une année, c'est quelque chose qui est beaucoup plus conséquent à mon sens que de mettre un terme au championnat algérien de football. D'accord, ça c'est mon. Donc pour revenir au foot, pour être honnête, je suis un supporter de le Mouloudia d'Alger. Oui. Et Mouloudia d'Alger, on me classe deuxième championnat à 3 points du leader. Il reste, je pense, 10 journées de championnat. Oui. Donc on a concrètement toute notre chance, mathématiquement, de finir champion d'Algérie à l'AM. On a l'équipe de Haba, Mouloudia d'Alger. Alors que s'il y a une fin de saison prématurée, machine to mad Doha. C'est sûr, machine to mad Doha. Bon, le plus gros pénalisé dans cette histoire, ça sera CRB. CRB, c'est un grand club algérien. Boulankaron, même si je ne suis pas un fan de CRB. Et CRB n'a pas gagné le championnat depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Oui. Voire plus. Et voilà, l'âme en premier joue pour le championnat. Donc ça serait vraiment injuste pour le CRB. Mais malgré tout ça, honnêtement, hein, honnêtement, vu ce que produit, je vais dire les choses comme je les pense, je suis désolé. Vu ce que produit le football algérien comme médiocrité sur le terrain, oui. Vu ce qu'il produit comme mauvaise gouvernance dans la gestion du club, et vu ce qu'il produit comme violence, notamment les tribunes, notamment voilà, comment faire respecter les règles d'hygiène. Bon, même si ça reprend, c'est clair qu'il faut que ça reprenne à huis clos. Oui. Adil, déjà, c'est une. Adil, falloir maintenant. Même si le championnat doit reprendre. Mais quand je suis supporter du stade pour des raisons de santé publique claires, parce qu'on ne peut pas faire respect. Mais même partout dans le monde, là où ils parlent de faire reprendre le championnat, ils parlent de le faire reprendre à huis clos. Donc, c'est la première des choses. C'est dommage parce que le football sans les fans, c'est pas vraiment du football. C'est ce qui fait la beauté du jeu, c'est avoir des stades pleins, avoir des supporters qui chantent, avoir de la passion sur chaque action. Mais franchement, je vois pas l'intérêt de prendre le risque de finir le championnat algérien à l'âme. On a essayé d'aller aussi sur le live Facebook avec on a l'âge. On a une bataille à l'âme. Au corps de cadam, il faut qu'il soit à l'âme 5 ans. Bon, ça c'est une position radicale. C'est radical, oui. Je voulais faire le Qaddafi sur le championnat libyen. Il faut aller faire le chef match du championnat libyen. Mais je pense que si on a l'âme 5 ans, il faut qu'il soit à l'âme. On a de retourner le bataille à l'âme. C'est un peu radical. C'est très radical. Non, je ne peux pas comme ça. Mais franchement, de la saison, vu le manque de moyens à l'État pour faire face à la crise sanitaire, vu tout ce qui se passe et tout, on n'a pas besoin de dire on va le problème de la prochaine. On va le prendre sur le bateau. Après, voilà, après l'enjeu, c'est qui fait dire pour déterminer est-ce qu'il y aura un champion ou là, tu n'attribues pas de champion à l'âme. Tu prends juste le classement qui est Maraho. Ou les équipes l'Oulin est qualifiée pour les compétitions un peu africaines, ou les équipes l'Khalin est qualifiée, elles sont reléguées en deuxième division. Bon. Ben en France, il y a une petite disparité, qu'il faut, opter pour la solution la plus simple, qui est de ne pas reprendre. Ou Andena, par exemple, comment il s'appelle, Gérard Lopez, président de Lille, qui dit qu'il faut reprendre, mais finir très très vite, quoi. Donc, oui. Où est-ce que toi tu te situes par rapport à ces deux propositions?
Écoute, je fais passer en priorité le côté sanitaire. Côté sanitaire, bien sûr. Parce que avec une équipe de foot, on se rend pas compte, mais c'est pas 11 joueurs, c'est 22 joueurs. Quand on parle d'une équipe professionnelle, c'est un staff médical, c'est un staff technique, c'est un staff administratif. Hein? C'est tout le contraire d'un confinement, quoi. Exactement, c'est un staff logistique matériel. Donc déjà une équipe, je te l'ai un match de championnat, même si tu le reprends à huis clos, c'est à peu près 40-50 personnes par club. Hein? Oui. Donc déjà, les échos kiff, il y a un risque de transmission. Les joueurs bien sont sur terrain, il y a du contact, il y a un risque de transmission d'une équipe à une autre. Tu peux te retrouver très vite avec un taux très élevé de contagion tel coronavirus entre les clubs de foot. Et tout ça pourquoi, concrètement? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Coquine Smaana, le président, enfin la première ligue qui pense reprendre, quand on connaît tous les contrats de sponsoring, les droits TV qui sont payés, la Ligue des Champions, derrière, tu comprends que les organisateurs pensent à faire reprendre le championnat parce qu'il y a un enjeu financier énorme. Et en Algérie, la plupart des clubs sont subventionnés. Les droits TV sont ridicules, les tickets à stade, ils doivent servir à les clubs. Donc mettre un terme au championnat, ça a moins d'impact, ça impacte moins les finances à les clubs algériens que mettre un terme au championnat algérien, ça impacte beaucoup moins les finances en termes de proportion, bien sûr, en termes de pourcentage, les finances à les clubs algériens que ça serait le cas en Angleterre ou là dans un championnat qui se respecte, qui est bien structuré, qui est autonome, indépendant financièrement. Hein? Donc ce que tu dis, c'est que si on pesait le pour et le contre, il n'y aurait même pas d'équivoque, le calcul serait très vite fait, quoi. Je pense que oui. Je pense que vu la situation d'ailleurs, vu la situation du championnat du football, la réalité du championnat du football algérien, je pense qu'on a absolument rien à perdre, mais vraiment rien à perdre concrètement en arrêtant le championnat et en se concentrant sur les vraies choses importantes qui sont la santé publique et l'économie. Comment relancer la machine économique d'Al-Blad après la crise? Donc pour moi, c'est la question se pose même pour l'Algérie. D'autant plus que depuis le début du mois de Ramadan, on constate un 841 cas positifs de plus 37 bien décès. Bien sûr. Ce qui, il y a eu un petit relâchement, ce qui fait une moyenne de plus de 100 nouveaux cas par jour, ce qui est énorme, quoi. Ouais. D'ailleurs, quand on sort, on le remarque, les gens, certains réagissent comme si la crise jazzait, ils n'ont pas repris un comportement, une activité normale, alors qu'il y a toujours le virus, mais jamais en circulation. C'est vrai. Je vais profiter de ta présence, Rilas, vu que tu es un petit génie de l'économie. Est-ce que tu peux nous en toucher deux petits mots ou là, nous dire un peu quel est potentiellement le devenir de cette crise énergétique? Est-ce que tu peux nous. Écoute, vous éclairez un peu. Anna, j'ai une opinion très, très, très pessimiste par rapport à la capacité de l'économie algérienne à se sortir de cette crise. Parce que Arqab, on a dit que ce semestre 2021-2022, il y a eu les prix. Je ne sais pas comment il fait ça. Je ne sais pas comment il peut savoir ça. Écoute, chauf, on est la loi de finances 2020. Sauf l'Algérie fait des déficits entre 10 et 25 milliards de dollars par an depuis la baisse des prix du pétrole en 2014. Ok. Le déficit budgétaire, on l'a couvert soit par le fonds de régulation des recettes, oui, qu'on a épuisé. C'était un fonds de soutien, de secours qu'on a sauvegardé. La balance commerciale, le déficit, les échanges exportation-importation, on a épuisé les réserves de change. Bon, elles ont baissé significativement. Et on a même eu recours à l'impression monétaire pour couvrir le déficit interne. Oui. Donc ça fait Donc la situation avant la crise, la corona, la baisse du prix du pétrole, elle était chaotique. Maintenant, depuis que la crise a commencé, elle a touché, c'est une crise qui est très très vicieuse sur l'économie, parce qu'elle a touché les deux principales ressources financières de l'État algérien, qui sont la fiscalité pétrolière. Oui. Les devises, quoi, la seule rentrée de devises. La fiscalité pétrolière, et on a la fiscalité ordinaire, tout ce qui est TVA, IRG, IBS, etc. Vu les entreprises au salaire, c'est clair que l'État va collecter moins d'impôts à l'âme. Oui. Donc on a d'un côté, déjà sur avec tout ça pour revenir à la loi de finances 2020, la loi de finances 2020 tablait sur un déficit d'à peu près 18 milliards de dollars avec un pétrole à 55 dollars le baril. Oui. Ou les 50 dollars, je ne suis pas sûr. Donc imagine, donc avec un pétrole à 15 dollars le baril et moins de fiscalité, moins de revenus pour l'État, شحال راح يكون الديفيسيت هذا العام؟ شحال بلوتو شحال راح نشدو؟ يقول لك عن لي 60 مليار دو دولار دو ريزيرف دو شونج ديجا ازون دو ديمينوي دوكا وراح يزيدو يقعدو غير ينقصو جوسكا كون بو تونير؟
Exactement. Donc, quelle est la solution? Comment les... Voilà, on risque d'avoir un déficit de 50-60 milliards de dollars. Comment tu peux couvrir un déficit pareil? Donc, c'est... Et comment on peut prévoir surtout la remontée des prix du pétrole alors que c'est intrinsèquement lié à la crise sanitaire? Non, le prix du pétrole va augmenter. Ça fait deux mois que le prix du pétrole on peut pas se baser sur un facteur, une seule variable exogène pour parler d'une économie, pour avoir une économie. Donc voilà, la situation, c'est le déficit. Le vrai problème technique, c'est que l'Algérie avait sûrement l'intention de s'appuyer sur la dette externe, les partenaires d'Azaïr, et à nous financièrement, directement. Donc on ne peut plus le faire, vu que Rabahna l'aïb chez l'ONU, ou Galé. C'est pas que Rabahna l'aïb chez l'ONU, c'est qu'avec la crise sanitaire, la situation économique de nos partenaires techniques, ils sont en situation difficile. Donc, je ne sais pas si un pays allait nous contribuer, allait donner une certaine somme à l'Algérie pour aider. Là, ils ne seront pas en mesure de donner la somme, ils devront donner moins. Franchement, c'est un vrai dilemme. Parce que d'abord, il y a un problème d'argent, de liquidité, pour couvrir les besoins. Bon, ils ont réduit les dépenses, mais on va rester sur un déficit budgétaire historique. L'année 2020 sera l'année d'un déficit budgétaire historique. Comment couvrir ce déficit? C'est un autre sujet. Il faut qu'on coupe court à cette communication. Merci beaucoup, mon cher ami, pour l'état d'achoul ta'ak. Juste pour revenir un petit peu rapidement, le football, le spectacle, le plaisir du football en Algérie, c'est les supporters en tribune. Même s'il y a un peu de violence dans certains stades, mais c'est eux qui créent le spectacle. Bien sûr, les tifs ou tamouloudi, lui, à ce moment, c'est... Le algérien, avec les joueurs, sans les supporters, merci beaucoup Rilas, يعطيك الصحة خويا وصحة فطورك. شكرا. على خير غيلاس، فوالا رضا هبلتني يا خو كوبي كوبي، هانا كوبينا يا خويا، واش راك حاب نديرو دوكا؟ واش هايا دير واش تحب دوك؟ أعطيني أبل واحد آخر. أوكي موسقنا، درنا واش اسمو أمين، درنا مازوني. من جديد كالعادة في معنا سكتي من رقم 21 نوز افون نوتر ابل تليفونيك افيك نو مسيو مالك بسكري. الو نعم الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير استاذ مالك بسكري. صباح الخير، كيف الحال؟ ربي يحفظك بارك الله فيكم. الله يسلمك وفيك بركة. مسيو مالك بسكري، سي جو لو دير، vous êtes le frère de Mustapha Bskeri, hein, le très connu entraîneur. Vous êtes vous aussi préparateur physique, donc vous êtes directement lié au monde du football algérien. Oui.
كيفاش كل سون ما هي يعني المتطلعات تاع مستقبل الكرة القدم يعني هذا العام في ظل الكوفيد 19؟ اسكو يعني تطلب مني يعني الراي تاعي بيرسونيل؟ بيان سور الراي بيرسونيل راي يعني فوتر افي بروفيسيونيل. اوكي تري بيان. هذه كي راك تشوف يعني راهي جائحه عالميه يعني نعم. هيش خاصه في الجزائر نعم. يعني ولا بالك ان المحضر البدني ولا عالم التدريب بحد ذاته يعتمد على مقاربات نعم. يعني اون بيزون دو روتار. يعني عمرها ما صارت في العالم انه فرق او رياضيين حبسوا يعني بطريقه كما نقولوا سودان يعني بريسك هذا حبسوا سي فري. وعندنا احنا كي يحبس الرياضي لا يكمل في النشاط تاعو عندنا معطيات يعني فيزيولوجيه ومنهجيه اللي نستعملوها كمعيار كوم روتار pour quantifier l'entraînement ديالنا. داكور. يعني بهذه الحاله يعني صارت لنا يعني جديده حاجه جديده على العالم كامل يعني راهم يستنجدوا بالخبراء في مجال التحضير البدني. باش يلقاو دي ميثود يعني pour rattraper le temps perdu. واش نقول لك ما كانش دراسه يعني تثبت لنا ولا تاكد لك يعني انك يعني تعاود ترجع الفورمه الرياضيه ديالك. صح. حتى دراسه. صح صح. ما كان حتى كتاب يعني حتى عالم ما كان حتى باحث. جامي صرات. يعني اجتهدت في هذا المجال يعني قلت لك جات دي مانير بريسك ماك واحد كان يستنى فيها في العالم. صحيح نعم. حتى الرياضيين النخبه يعني كي يحبسوا مستحيل يحبس فوق اسبوع ولا يحبس لك شهرين ويقول لك هاك جرب فيها وشوف المعطيات هذو وخدم عليهم. صح. كاش ماك حتى رياضي عالمي يعني ذات المستوى العالي يعني ما تسمحلوش اسبوع ما ترتاحوش. صحيح. الور ما بالوك شهرين رانا سوا ورانا فايتين. واكو انت راك بريباراتور فيزيك في تاجن انت صح؟ وي. هذا راني في تاجر. وكيفاش جو سوبوز كراكو في اتصال دائم مع اللاعبين مع لو ستاف. كيفاش كومون فو جيري ان بو سيت كريز؟ كيفاش اسكو تقولوا لهم يعني ils s'entraînent tant bien que mal ولا كومون سا سي باس؟ سي نورمال. مي شنو كاينه حاجه لا غام ديكزيرسيس اللي نخدموا فيها ولا رانا نشوفوا فيها اللي راهي شائعه في التلفزيون في اليوتيوب و توسا سي اون غام ديكزيرسيس يعني تري مينيم يعني سوفيزونت بور غاردي لو نيفو. Oui. Pour garder la forme sportive pour une compétition intense telle que le football ou la autre discipline, يعني ماشي هذاك هو يعني لا كام ديكزيرسيس على انماط التمارين اللي يديروا فيها ولا كتشوفوا فيها في التلفزيون وتعجبكم ايتوزا ماشي هذيك اللي تجيب لك الفورمه الرياضيه. يعني اون طون نورمال كي تكون اون بريباراسيون اوبتيمال وماشي كاع اللاعبين يلحقوا الفورمه الكبيره. يعني سي يفو يا بلان ديليمون كي رونتر اون جو. سي نورمال. يلحقوهم بالتدرج يعني. نعم. سي بور سا اون في دي ماتش اميكو يعني في شاك ماتش. يعني نسيو نحقوا له ان فوليوم دو جو في كما يقولوا بالدارجه في رجله انه يلحق فوليوم تاع 70% مينيموم باش ينطلق بها المنافسه. نعم. ما تنساش بلي ان المنافسه هي اللي تكمل لك الفورمه الرياضيه. بيان سور. يعني سي اون جو دي ماتش كي تي اوبتيا كما نقول لك ولا تي كان اون شنو نقولوا اون اكسبلوزيفيتي اون فور سبورتي يعني كاع لي كاليتي موتريس ينطموا في ظل المنافسه. نعم. انا غابت المنافسه وغاب التحضير. Ou est-ce que parce qu'il y a pas de communication يعني autour de ça, est-ce que يعني est-ce que à la banne on en a rien et jusqu'à quel point on va être stoppé? Là-bas on est dépendant à les avis des experts médicaux. Là-bas le problème. Où est-ce que tu as pu voir des ma cache يعني? Malheureusement on n'a pas d'experts au ministère de la jeunesse et des sports. On est les experts du grand enseignement supérieur. Est-ce que c'est d'accord? باسكو كاين ايكيب جديده يعني في وزاره الشباب والرياضه انا على بالي شويه كاين دي جون هكا قراو يعني كاين عباد قراو في الانجليزي تو راهم ياهي مقربين من الوزير دونك جو سي با اسكو يا دي روتور او با ان توكا ما كاش انا بيرسونالمون ما عندي حتى روتور. شوف جو سوي ان بروفيسور اون سيونس ديديكاسيون فيزيك ليز اكتيفيتي فيزيك سبورتيف. وي انا ما سمعتش بهذه ما نكذبش عليك حتى خبير باسكو الخبراء انا بالنسبه ليا كخبير ديجا وطني انا نشوف يلزمنا دي زاناليزور دو بيرفورمانس. لي زاناليزور دو بيرفورمانس حنا في الجزائر ما عندنا كوناش دي سبيشاليست دون سون سون سي فري داكور كونا دي بريباراتور فيزيك وي سيرت مي بصح انا با في كيما قلت لك لا فورماسيون تاع لي زاناليزور دو بيرفورمانس. هاد لاناليزور دو بيرفورمانس هو اللي يعطي لك لو بيو ريتم اللي يمشي عليه الرياضي. داكور. حنا سي تان كوستون دو ريتم يعني حنا دوكا ديجا رانا في شهر رمضان وعلى بالنا بلي شهر رمضان سي اون فاز دو ديتوكس انيوال سي فري بور لو كور هومان اللي كاع لابس سي ميغا ديتوكس يعني وين لو كور هومان يعاود يريكيبيري كاع الهوميوستاز تاعو يبا اليميني لي ديشي تاع دورون لاني باسي وي توت لي توكسين وي توت سا يبا ريغولاريزي سون اورغانيزم كي هي تسمى دونك دوكو فوز افي راتي سات اشيونس. Et comment on peut la rattraper? Comment on peut rattraper une échéance de détox? Est-ce qu'on va faire du jeûne à intermittence quand on reprendra? Le jeûne
الشيء انت مي طال لي كومبينيون تاعني ينقص لك بزاف الميزان ينقص لك الفوليوم موسكولار وي اكزاكتومون كي ينقص في الميزان الرياضي اللي ديت بليسا صح سي فري سي فري هذا هو المشكل تاعنا علاش قلت لك شغل سا كومونس ا تري ديليكا تما سي كومبليكي سا فات كومبليكي دو فريمون ريبروند سي كومبليكي يو في يوتيليزي دي مويان لور تيل كو لي امبيدونس ماتر باسكو لي امبيدونس ماتر هما اللي يعطوا لك الحاله الايضيه يعني لي ميتابوليك دو لاتليت دو لانديفيدي داكور تيل كو لي ميدري سي سون يوتيليزي في تو سكي تريك بيو و تو سا هاد لي زاباري هادوما بون حنا ساف ما نستعملوهمش يستعملوهم لي كيني لي فيزيوثيرابيست داكور يستعملوا هاد الماتريات على لي امبيدونس مات بو نو زيدي على تراتي لي روطار هذا داكور Et monsieur Oustad Bouskri, je présume que Fidal y a une hadd l'maloumat kamel, vous êtes contre la reprise de la reprise le canicole l'examen reprend dans pas longtemps, vous êtes contre. Parce qu'on n'a pas tous les éléments, mais il y a pas de préparation. هذاك بلي التحضير يعني كي نهضروا من جانب المنهجي ما نهضروش جانب الفيزيولوجي. نعم. ثلاث مراحل، عندك مرحلة التحضير، عندك مرحلة المنافسة ومرحلة الاسترجاع. يعني طوافاز انت ما تقدرش تخلي المرحلة الأولى مرحلة التحضير تروح مباشرة لمرحلة المنافسة هذه منهجيا ديجا خطأ نعم أنا يعني نعاود نديرو قالوا كل مرحلة تاع التحضير كما يقولوا بالعامية نديروها كومبريسي نلقاو الميكانيزمات باش نعاودو نرجعو في أقرب وقت المنافسة ديرها وكأنك راح تلعب كما يقولوا الفريق الوطني يلعب كأس إفريقيا عنده مرحلة صغيرة تاع التحضير صح اونتر 15 20 جور يسمي يجيب لا فورما ديالو والمقابلة راح تكون متقاربة إذا نستعملوا نفس المبدأ Ou les programmes de préparation pour des durées assez, aussi courtes, il y en a existé. C'est faisable, c'est faisable. On chauffe le microcycle libdam quotidien, fait tel 10 jours un microcycle. D'accord, on a fait le microcycle 3 jours. C'est faisable. D'accord. شكرا جزيلا استاذ بسكري يعطيك الصحه على المعلومات القيمه اللي عطيتها لنا ميرسي بوكو بارك الله فيك وصحه فطوركم صحه رمضان توت لا فامي بون كوراج ربي يخليكم صحه ميرسي بوكو استاذ مع السلامه السلام كان معنا الاستاذ بسكري يعطيه الصحه بارك الله فيه على المعلومات القيمه هذه اللي كنا نسمعوا فيها جو كرو كو الشوط الاول من ورانا ساكتين انتهى ولا مازال اسكو ناخذ مكالمه هاتفيه اخرى قبل نهايه الشوط الاول نهايه الشوط الاول اون سو ريتروف دون تري تري بو طون نو كيتي با نعود بكم من جديد في استوديو مارانا ساكتين التحقت بنا هذه الزهرة شهرزاد مش هذا الوصف مرحبا مجددا المشاهدين شهرزاد عمروش avant de te laisser commencer on va aller voir une vidéo magnifique en fait تاع واحد الانسان حطها البارح بارطاجها اسمه بوزيد محمد زين الدين Donc c'est des images de Alger, ville fantôme illustrant les rues et les routes des quartiers vides. Donc c'est vraiment du jamais vu, des images époustouflantes qui nous montrent un peu le respect du confinement par les Algériens dans ce confinement 2020. Donc encore une fois, vidéo partagée à Bouzidi Mohamed Zineddin. Nous allons voir ou Mazal Aïjaya, allons nous faire. Thank you.
Donc voilà, restez cheveux qui m'a classé la vidéo. Merci à Bouzidi Mohamed de Zinedine pour cette vidéo, même si ça a été la technique avec le montage naqs chouïa. لا لا الحاجة اللي نلاحظوها بزاف إن شاء الله نتمنى وتعودتوا للحياة الجزائر كامل مش فقط العاصمة إن شاء الله يخلينا نفيلمو بالدرون وي احنا تاني نفيلمو بالدرون ونخرجوكم دي فيديو أحسن بكثير من هذه انت ما تمنت تأثرت بحاجة واحد أخرين تقنية أكتر انت أنا قاعد نشوف حاجات تاع ما كاش لافي شغل يفارغ الحالة لا 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 ما كاش لافي سي فريمون تري بيان سي ريسبونسابل دو نوتر بار اي تو مي لا كيسيون كو جو مي بوزي اوسي كيفاش هاد السيد غادي يقدر يفيلمي بالدرون فوق الكونفينمون فوق البور فيلم بالدرون دونك زدينا فوالا عطينا لا روسيت مي جو بونس كو لا روسيت هادي لي با فيت بور تو لو موند فوالا جدي سا جدي ريان نروحو الكورونا ترند عندنا كورونا ترند مع شهرزاد عمروش مرحبا بكم متابعينا مجددا وهاد المره في فقره كورونا ترند فند مدير مختبر ووهان الصيني يوان تشيمينغ نظرية المؤامرة بشأن فيروس كورونا الجديد حيث أكد في مقابلة مع وكالة رويترز أن معهد ووهان لعلم الفيروسات ليس لديه النية أو حتى القدرة على إعداد أو تخليق فيروس كورونا وأضاف مدير المختبر يوان أنه من المحتمل أن الفيروس نشأ في الخفافيش وآكل النمل الحرشفي من جهة أخرى قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه لوكالة رويترز أنه يعتقد أن تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا دليل على أن بكين ستفعل كل ما بوسعها لتجعله يخسر انتخابات الرئاسية القادمة مشيرا أنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالتعامل مع الصين بشأن وباء كوفيد-19 مؤكدا أن أزمة كورونا أثرت سلبا على الاتفاق التجاري بين بلاده والصين في البيرو أين أعلنت أحد السجون أن نحو 60 شخصا من حراس السجن وخمسة من عناصر الشرطة وسجينين أصيبوا بجروح خلال أعمال الشغب وذلك قبل أن تتمكن قوات الأمن من إعادة السيطرة على السجن الواقع بالقرب من العاصمة ليما وقد وقعت هذه الاحتجاجات في السجن بسبب ما اعتبره سجناء عدم كفاية إجراءات الحماية ضد انتشار وباء كورونا في أمريكا حلقت 12 مقاتلة تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية في سماء نيويورك لتقديم تحية للطواقم الطبية ولكل من يحارب فيروس كورونا وقام طيارو المقاتلات بتسجيل لقطات من قمرة القيادة باستخدام تقنية 360 درجة لتوثيق المشاهد نشاهد الصور لا تزال نيويورك أكبر بؤرة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة حيث تجاوز عدد الإصابات مؤخرا عتبة المليون إصابة فيما تجاوزت حصيلة الضحايا 58 ألف شخص بهذا أصل بكم إلى ختام فقرة كورونا ترند لنهار اليوم C'était le Corona Trend avec notre ami Shahrazade Amrosh, merci. Alors, dans les nouvelles, nous avons hier, en fait, le Comité National pour la Libération des Détenus a partagé ce bah, ou la hier, pardon,
الحادثه هذه اللي صارت لمحمد بالخير لو ميليتون بوليتيك دونك او تريبيونال دو الخضريه بويرا دونك hier mercredi 29 avril 2020 au procès du militant donc Mohamed Belkhair, il s'est évanoui à la fin de son jugement alors que la juge ne lui a pas accordé la possibilité de dire un dernier mot. Donc la juge a prononcé le verdict alors que Belkhair Mohamed était déjà à terre, évanoui. Il avait perdu donc connaissance. Le juge a condamné Belkhair Mohamed à une peine de 1 an de prison ferme, sans dépôt. Donc l'histoire de Mohamed Belkhair, qui a pris donc du coup 1 an de prison ferme et 100 000 dinars d'amende par le tribunal de l'Khdaria. Il s'est évanoui en plein jugement, comme nous l'avons dit. Donc juste après l'annonce du verdict, Mohamed, comme nous l'avons dit, s'est évanoui. Il a été transféré à l'hôpital par les éléments de la protection civile présents sur place. Donc l'activiste, pour rappel, et militant Mohamed Belkhair a été convoqué et entendu par la gendarmerie de l'Khdaria le 20 avril, puis présenté devant le Kamalan Choufoufer. Il s'est évanoui après l'annonce de son verdict. Inch'Allah, Rabbi Ja'al Khair. Donc voilà, il a été entendu par la gendarmerie de l'Khdaria le 20 avril, puis présenté devant le procureur du tribunal de l'Khdaria le mercredi 22 avril. Il a été remis en liberté provisoire et son procès a été programmé pour, donc du coup, hier, mercredi 29 avril, devant le tribunal de l'Khdaria. Il est accusé d'incitation à attroupement non armé, atteinte à la sécurité de l'État et, outrage à corps constitué et membre d'un gouvernement. Donc voilà, ihbat ma'nawiyat. الأمة يعني في نفس السياق يعني في نفس السياق بزاف لي ديتنو on peut citer plein les détenus du 1er mars par exemple 2019 عندنا محمد قاسي حمود حسين العربي محمد رؤوف حنان زين الدين العابدين أسامة عبودي فارس عسيد أحمد مزيان رافق نايت العربي أسامة قنزي زكريا سليمان. Nous avons aussi les détenus du 12 avril 2019, Sofiane Chaou Chaban. Dans la wilaya de Rilizan, on a les détenus Yassine Doubi Ben Announa, arrêté le 30-12-2019. Mened Larbi, le 26-11-2019. Abdallah Ben Amoun, le 9-12-2019. Yassine Khaldi, le 9-12-2019. Atlemsan, nous avons Mohamed Sbahi, Radouane Mejdoub. Donc Moustaghanem aussi, nous avons Oussama Tifour et la liste est encore très 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 longue. Donc voilà, nous نطلبوا ان شاء الله ربي يطلق صراحه جميع المسجونين سجناء الراي وسجناء السياسه. Nous avons aussi les avocats de Khaled Rani, les avocats de la défense de Khaled Rani qui ont introduit ce jeudi, une demande de remise en liberté provisoire auprès du tribunal de Sidi Mohamed à Alger dans l'attente d'une réponse. Voilà, c'était pour les informations concernant nos amis détenus. D'ailleurs, à ce propos... Voilà, comme ça on peut lancer le jingle « Ta'riwaq al-Abiyat ». عودة بكم من جديد في الرواق الأبيض ومعنا سفيان. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وش راك الأخ سفيان؟ صافا تري بيان إيفو. لاباس الحمد لله. حكينا سفيان وش يدير؟ اسكو منخرط في جمعية خيرية؟ بان سي سفيان توجور دو كوليكتيف أمانة. سفيان دو كوليكتيف أمانة، وش راك سفيان؟ وش راهم ناس أمانة؟ يعطيكم الصحة بور لو ترافاي كو فو فات. Ah, franchement, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Sofiane, je vais te poser la première question par rapport aux bavettes, vu que c'est un peu le sujet qui fait actualité. Est-ce que ça doit être obligatoire ou pas? Mais pour que ça soit obligatoire, il faudrait qu'il y en ait en quantité. On avait parlé un peu avec Badr Hafian qui disait la nécessité d'être individuellement conscient de la situation. J'avais dit qu'il fallait un discours politique pour appuyer tout ça. Où est-ce qu'on en est par rapport aux bavettes? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire par rapport aux bavettes, c'est que si tout le monde portait des bavettes, ça serait une très très bonne solution et ça arrêterait la propagation de la maladie. Ça, oui. C'est sûr. Hein. Ça, d'ailleurs, les Asiatiques, c'est pas nouveau. Hein. Depuis des années, à chaque fois, ils portent des bavettes.
à chaque épidémie et tout, c'est pas pour rien. C'est vrai que c'est pas nouveau, oui. Oui, pour nous, ça va être nouveau. En Asie, c'est quelque chose d'habituel. Et ce qui est sûr, c'est que même les gens infectés, s'ils portent une bavette, ça va arrêter l'infection. Il n'y aura pas de propagation. Donc, ça reste la meilleure solution. Oui. Vu la situation, vu qu'on est en train de commencer à déconfiner, vu que même économiquement, la situation risque d'être difficile, donc on va être obligé d'ouvrir à nouveau les gens au travail et tout, la meilleure solution reste le port de bavette. Mais pour ça, effectivement, vous avez raison, il y a une préparation. Oui. Il faut qu'il y ait une production locale, et à mon avis, c'est faisable. Hein. Je ne vois pas pourquoi on a des gens qui sont bénévoles, ils font des bavettes. Donc, à mon avis, que ce soit des gens bénévoles ou l'État peut lancer une production de bavettes massive. Il y a aussi, excuse-moi Sofiane, il y a aussi, je peux le dire parce que hier j'ai vérifié en fait l'information, le gouvernement hein, qui lance une production dans tous les ateliers, pardon, Al-Khayata, un peu partout sur le territoire national, c'est une information que j'ai vérifiée hier, donc les ateliers, que ce soit Falqabba ou Laf, il y en a un peu partout à Alger, même ailleurs dans le pays, il y a des gens les bavettes tous les jours. C'est une très bonne chose. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, avec une bavette simple et en gardant une distance de sécurité d'à peu près un mètre et quelques, à la personne, très très peu de chances d'être contaminé, c'est vrai. Les masques qui marquent l'eau dans les normes de protection FFP2 et tout, c'est pour l'usage hospitalier, c'est au niveau des malades où il y a une charge virale qui marquent l'eau, qui est le virus qui se trouve dans l'air, où il y a une forte risque de contamination. Mais qui marquent l'eau pour le quotidien, une bavette simple, ça va être largement suffisant. C'est vrai. Ça, c'est la meilleure chose parce que quand on voit la situation où le déconfinement et les gens en train de faire la chaîne et etc. sans protection, ça fait peur quand même hein, par rapport. C'est vrai, c'est vrai. En tant que médecin, ça nous met, je vous cache pas, hein, ça nous met un peu en colère la situation. Nous, on est en train de faire beaucoup d'efforts, de sacrifices. Etc. pour nous et pour nos familles et voir les gens, certaines parties de la population, hein, pas tout le monde. Manquer de Kemarolo, de civisme et de responsabilité, c'est un peu. C'est vrai que. Le discours politique devrait être plus fort. Le discours politique devrait être plus fort. C'est pour ça que hier, moi et Badra, on s'est un peu frictionné par rapport à ça, parce que moi, je pense que c'est vraiment indispensable. Et elle me disait qu'on ne devrait pas attendre. Elle a raison aussi, hein, ça devrait commencer par nous, mais il faut aussi. C'est pas tout le monde qui est conscient, scientifiquement ou là, biologiquement, si je peux dire ça comme ça. Si je peux dire, c'est pas un problème que chez nous. Même, oui. On voit bien qu'en France, ils ont mis du temps à vraiment respecter le confinement. Même à Québec, c'est pas partout vraiment sérieux, même aux États-Unis. C'est vrai. Mentalité. À mon avis, à part les Asiatiques, qui ont l'habitude de ce genre de rigueur, oui. Même les Européens, surtout au niveau pays méditerranéen, les États-Unis, ne sont pas très, très, très sérieux. Mais je dis qu'il faut quand même un discours politique plus rigoureux. C'est vrai, peut-être. Ce qui a permis aux Algériens de se relâcher, c'est quand ils ont vu qu'il n'y a pas beaucoup de décès. C'est vrai qu'on n'est pas, il faut le dire, hein, je parle du point de vue médical. D'accord. On n'est clairement pas dans la situation de l'Europe. Alhamdoulilah. Maintenant, la raison, éventuellement, c'est peut-être le vaccin BCG ou la rougeole qui nous protège. Bon, c'est vrai. Ça, il y a une possibilité. Je crois que ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de décès et de malades en réa. Sous respirateur. Oui. Ça, c'est sûr, on le voit. Même si on peut avoir des doutes sur la comptabilité des chiffres des malades ou de la HACDAC, mais c'est clair qu'il y en a moins. Oui. Maintenant, est-ce que parce qu'en Algérie, on traite d'emblée tous les malades ? D'ailleurs, comme vous le savez, on a plus de patients traités que de cas Covid, donc ce qui est un peu. C'est vrai. Est-ce que c'est le traitement qui marche ? Est-ce qu'on a une protection peut-être malgré les vaccins ? On ne le sait pas pour l'instant. Est-ce que c'est notre immunité ? On a trop de germes en Afrique, donc le Cortana, il est mieux préparé, mieux loti en fait. Peut-être, on ne le sait pas pour l'instant. Oui. Est-ce que c'est génétique ? Mais d'une façon générale, parce que l'Afrique, du moins ce qu'on voit, qu'il y a moins de formes sévères et de décès. Mais il y en a. Ça, ce que j'essaie de dire, c'est que ça, alhamdoulilah, c'est moins grave que chez eux. Oui. Mais il y en a. Moi, j'en connais. Il y en a eu des jeunes qui sont morts. De 36 ans à 41 ans,
C'est vrai que la majorité, c'est des personnes âgées, mais on a vu des 50 ans, 55 ans, sans aucune maladie. Hein. Oui. Il y a eu, parce que nous, on se renseigne, on est en train de voir les décès, on essaie de comprendre, de voir à peu près les profils. Enfin, il y a des gens qui sont malades, qui sont diabétiques ou la HDAC, mais Kainin, 50 ans, sans aucune maladie, mais il y a, donc il faut faire attention. C'est Anna, le phase principal. Ce que j'ai compris, moi, personnellement, c'est que quand on meurt, en fait, du Covid, en fait, c'est pas vraiment le yani l'istijab al-mana'iya qui est kbira, c'est ce qui aide en fait le virus à finaliser, j'allais dire, parce que ça crée en fait des. On est en train de voir, bon, c'est une maladie assez complexe, il y a beaucoup de pathologies. Et comme vous l'avez vu, il y a même un souci maintenant, mais les enfants à l'étranger, ils voient qu'il n'y a pas un problème oui. d'une maladie des vaisseaux. Mais ce qu'on sait, c'est que ça bouche les vaisseaux. Oui. Donc on a vu que beaucoup de personnes qui ont une forme sévère, pulmonaire et tout, ils ont des vaisseaux au niveau des poumons qui se bouchent. Oui. Mais en même temps, effectivement, c'est une réponse immunitaire qui est excessive. Bon, je ne suis pas le mieux placé peut-être pour vous expliquer ça, oui. mais sur ce qu'on sait, parce qu'on bon, lit, on a des malades Covid, donc il faut qu'on doit être au courant et pour pouvoir mieux les traiter. Oui. Mais effectivement, il y a une réponse immunitaire excessive. Est-ce que chez nous, on est mieux protégé par rapport à ça? Ça, pour l'instant, c'est pas clair. Sans qu'il n'y aura pas d'études sur la population terrain. Oui, c'est trop tôt pour parler. Oui. Donc voilà. Mais revenons par rapport à ce que vous avez dit, le plus important, ça reste le confinement et le port de bavette. Oui. On a vu qu'il y a un relâchement. Il y a beaucoup de médecins qui tirent la sonnette d'alarme, qui disent attention, c'est pas parce que ça commence à se stabiliser sur Alger que c'est fini. Ça peut revenir et surtout qu'on voit que dans d'autres wilayas, c'est maintenant à leur tour. C'est un homme la vague qui m'a fait Xantena, Oran, la situation technique est très difficile. Oui. Donc c'est loin d'être fini. Et d'accord. À mon avis, ça risque de durer. Sofiane, une dernière question, si tu permets, s'il te plaît. Bon, je te tutoie, je me permets. Je me fais plaisir, j'ai du mal avec le vouvoiement. Ramadan, comment ça se passe, Ramadan? Est-ce que vous tenez le coup, en fait? Ou une akoutak, l'eau? Sincèrement, ouais. Sauf, il y a, franchement, ce que j'allais dire au début, il y a un élan de solidarité énorme. Oui. Ce qui fait chaud au cœur et ça fait plaisir. Quand on voit qu'il y a des gens, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas sérieux, qui ne se protègent pas et tout, mais on voit quand même qu'il y a une grande frange de la population qui est sérieuse, qui fait attention, qui contribue, qui essaie de nous aider. Faut le dire. Hein. Bien Faut sûr. Dire que une situation aussi compliquée, surtout pour notre pays, dans quelle situation on est, s'il n'y avait pas eu l'élan citoyen, on aurait eu vraiment, vraiment beaucoup de difficultés dans les hôpitaux. Donc il faut vraiment remercier. C'est une très bonne chose et c'est de bon augure pour l'Algérie de demain. Oui, moi je crois. Sincèrement, je crois que c'est une très bonne chose. L'élan citoyen, oui. La prise de conscience citoyenne, ce qui permettra à l'Algérie d'avancer. Inchallah. Et par rapport à ça, il y a des gens qui sont en train de faire des paniers repas pour les personnels médecins médical. Et pour les patients thermiques. On en a montré ici plusieurs fois. Il y a la dame Malik El Kent Taïb, au minimum 80 repas par jour. Il y en a plein, hein, des exemples comme ça. Il y a des gens qui le font spontanément. Il y en a même aussi qui passent par, faut le dire, hein, par la mairie, etc., par l'APC. Ils ont des facilitations. Chez Taïb bouffe les consignes et tout. Oui. Donc, bon, voilà, il faut dire qu'il y a des choses qui sont faites. Il faut soutenir aussi. Bien sûr. Hna, par exemple, personnellement, les médecins, pour une bonne partie, hein, évitent de manger à l'hôpital parce que. La nourriture, on va dire, elle n'est pas extra. D'accord. Mais il y a des hôpitaux où c'est bien. Hein. Par exemple, un CNMS, je peux dire que c'est bien, surtout sur l'Andane. C'est pas bien. Mais il y a d'autres hôpitaux où c'est catastrophique. Hein. Oui. On les cite. C'est vrai, c'est donc, vrai. Donc voilà, généralement, on se débrouille. J'ai beau, sinon, donc, mal problème, t'as le Covid et tout. Il y a une solidarité. Même l'année passée, sur l'Andane, il y avait des associations qui ramenaient déjà aux malades et au personnel médical. Je suis super, merci beaucoup Sofiane, merci d'avoir pris de ton temps. Si je peux lancer. Bien sûr, de solidarité à tous les détenus. Oui. D'opinion. Oui. Et tous les opposants qui sont en prison, courage, on est tous avec vous et ce n'est pas fini, on fera le nécessaire pour les libérer. C'est pour ça que j'ai ramené le Mahalas Léoma. J'ai vu, bien sûr. Même si c'est un peu ridicule. Merci beaucoup Sofiane. Je vous en prie. Et bon courage, que Dieu vous bénisse, vous et tous vos semblables en fait. Merci comme ça pour ce que vous faites. Voilà, c'était le Bessat l'Abiyat ta l'Yoma. Est-ce que on peut Riwaq l'Abiyat, قلت le Bessat, j'ai encore dit le Bessat. Riwaq l'Abiyat, sorry.
نو ناق عندك ناقص تنين في الفرد الفجائي القادم رضا. Alors, نقدر نروح نشوفو لو بروفيسور كومو يسابل لو بروفيسور جلي با دون ايسي. Alors, كومو يسابل سو بروفيسور بروفيسور مراد سايشي كي نو بارل دو لامبورتونس دي بافيت ان ميساج امبورتون ا ريغاردي. رانا في لامور تاع جوانفيل. شوفوا سبحان الله بحمد الجزائريين بالاخص البوليديين يموتون بصمت. شوفوا سنادق اسال الله عز وجل ان يلطف بنا وان يرحم هؤلاء يا رب العالمين. هم سنادق امام لامورك وكولوا في المقبره والعياذ بالله يقول له صندوق ولا موت عادي. لما يقول له صندوق يعني كورونا ولا موت عادي معناته يحلوا له قبر عادي. اسال الله عز وجل أن يلطف بنا يا الله فينا أطفال ورجال وشيوخ وعجائز فاللهم ارحمنا بهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء يا رب العالمين. يا رب ارفع عنا هذا الوباء. راكم عارفين عندنا أحباب وجيران وإخوان يموتون في صمت ويدفنون في سر وفي صمت وما يحضروش الناس ليهم حتى التعازي ديور الموتى ما كان يدخل ليهم ما كان يعزيهم يعني يبكوا وحدهم يقعدوا وحدهم. أسأل يموتون في صمت ويدفنون في صمت نتيجة اللامبالاة. يعني أنا آسف جدا كاين بزاف من الجزائريين ماهوش حاس بالوباء هذا ماهوش حاس بخوتو الجزائريين اللي راهم يموتوا في البريدة ومدية وعين الدفلة والجزائر العاصمة. يقول لك راني بعيد ما يلحقنيش راني في القالة راني في تمن راست يلحقك المرض. هذا الوباء الكورونا فيروس قطع البحار والمحيطات. كي يخرج يلبس الكمامة. Quand un habitant de Hong Kong sort de chez lui, il porte le masque. علاه؟ Parce que les Asiatiques, ils ont compris. Le Covid, هذا الكورونا هذا، le virus هذا، باش يدخل في جسم الإنسان يدخل عن أنف ولا عن فم. Donc, il نغلق له الباب، ما عندوش منين يدخل. Il n'a pas de voie d'accès. هما نجحوا. في السياسة نتاعهم في السياسة الصحية لو بور دو بافيت بلس ديبيستاج لي زوروبيان اوروبيون والامريكيون ايزون اوبتي بور لو كونفينمون. علاش الاوروبيين خيروا لو كونفينمون؟ باسكو ما كانوش يستناو في انتشار هذا الوباء. اي نو ساتوندي با ا اون ايبيديمي دون تال امبلور. نعود بكم من جديد في استوديو مراناش ساكتين. On va marquer une courte pause musicale et on revient après.
نعود بكم من جديد في استوديو مارانا الساكتين 021-28-44-45. نقترب من النهاية ولكن قبل النهاية نأخذ مكالمة هاتفية مع إنسان اسمه رابح الميكرو إبريزي سكا تبعتنا من تيزي وزو. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته الأخ رابح، كيف الحال؟ صافا الحمد لله، وانتم صافا كيفاش مع رمضان؟ والله الحمد لله في نعمة، اي بيان، اي الحالة مليحة، حكمنا الريتم والفنا دونك صافا تو فا بيان الحمد لله. مخصوص شوية قهوة هنا هنايا. وي دوك نبعثوها لك كي تكمل نبعثوها لك. عندي تبعت لي والو، عندي حصرة، عندي ثلث أنواع الله غير عندي. أنا نشهى عليها، ما نشري لا بريوش لا والو، كل يوم نشري باطا قهوة هذوك لي دوزات هذوك. سي بيان دو سيكيبي. وي سي بيان دو سيكيبي. كيفاش رابح، كيفاش الحاله راهي في تيزي وزو، كيفاش راكو عايشين الحضر التجول هذا الذي طال علينا؟ في الحقيقه يعني حنايا في تيزي وزو، حنايا في الدشره، حنايا مالا نعمه والله غير نعمة سي مانيفيك، هاكو عندكم لا ليبرتي. بلي رانا نعيشو في نعمة والله غير الحمد لله بصحتكم. شوي جالو فرانشمون، شوي جالو فوالا تادير. حنا لو كونفينمون سو باس بليتو بيان. دو كال كوتي في تيزي؟ وين في لي اوتور؟ في لي اوتور في درع الميزان. مانيفيك لا ريجيون هاديك الله يبارك. في درع الميزان دونك لو كونفينمون سو في بليتو بيان، دونك ونعرف على الشورتير دو شينو شوية عكا تمشي بالحومة. ديجا يا با بوكو دابيتون، دونك لا دونسيتي تاع لي سيتوايا ما كاش بزاف. سي تري بيان، دونك لاغ اي تري بون ا ريسبيري فوالا اون اير فريش. دونك سي با كوم اون فيل ولا الجي. وي كوني بيان الجي، دونك الجي سي c'est pas plutôt difficile hein. C'est pas super oui. يعني la pollution ou le haz. La pollution plus la police. Si ما تقدرش تخرج sans avoir peur d'être contaminé هكذا. Exactement صح. Surtout pour les familles. C'est vrai. Voilà. Donc moi je voulais revenir un petit peu en arrière sur la possibilité d'avoir une année blanche. Oui, bien sûr, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est vrai. Voilà, donc moi, en tant qu'étudiant, je suis un étudiant, donc... Tu es étudiant quoi, là-bas? En management. Allah ybarak. Je suis étudiant en management, donc en master 2, donc je prépare mon projet de fin d'études. Quel genre de management? Anam? Management général? Non, management stratégique et système d'information. Bah, c'est très bien, très très bonne spécialité. Merci. Donc, je voudrais apporter, enfin, si on peut appeler ça mon témoignage. Donc, c'est très difficile à vivre pour nous, les étudiants, ce confinement, surtout les étudiants en fin de cycle. Oui. C'est très difficile de préparer ces études. Oui, c'est vrai, on a des moyens, des technologies pour préparer, pour faire du télétravail, pour préparer. Mais... Ça va, toi, tu es en master 2, tu peux... Déjà qu'il y a un master 1, master 2, même genre dernière année, les deux dernières années tu es à la fac, yani je suis en train de faire tu es d'accord ou pas? Mais beaucoup plus si on est orienté. C'est oui. L'orientation qui nous manque, parce qu'on a des ressources. Il y a des livres, il y a Internet, bien sûr. Comment? J'ai dit, il y a des livres, d'Internet, il y a des rapports de stage. Les ressources, ce n'est pas ce qui manque, mais oui. L'orientation, parce que tu trolles l'Internet. Vous êtes face à un océan d'informations, vous êtes bombardé d'informations, vous ne savez pas quelle information prendre, par quelle méthode il faut passer, la bonne méthode surtout, il faut la trouver. Ou les tuteurs, maintenant les tuteurs de stage. Voilà, c'est exactement ça. Pendant ce confinement, c'est-à-dire le tuteur, c'était difficile de le joindre. Et même, il y a une autre chose, c'est on est tenu de faire un stage pratique. Le stage, donc, pour appliquer notre théorie. Bien sûr, oui. Chose qu'on ne peut pas faire maintenant. Donc, ça va handicaper tout le reste, quoi. Voilà, ça nous handicape et c'est très difficile. Pour le lycée, le lycée, le CEM et le primaire, à mon avis, d'ailleurs, je pense que c'est comme ça. C'est oui, une oui. chose qui...
وفي لليونيفرسيتي ما قالوا لكم والو يعني ما عندكم حتى خلفيه على اسكو سافا ريبروندر ولا والو ولا والو ولا سافا با ريبروندر بون نو حنايا رانا ساد ستدي اون كونتينيو اون كونتينيو ا ترافايي اون كونتينيو ا بريباري نوتر بروجي دو فان ديتود بيان سور وي سي افيك لي مويان دو بون. On nous dit que on sait rien. Voilà, on peut rien. L'administration, par exemple, ne peut rien nous affirmer. Vous pouvez préparer. C'est-à-dire, vous devez préparer. Vous devez être prêt. C'est pas comme ça que ça se passe. Peut-être qu'on va soutenir nos thèses le mois de juillet. Si ça se arrange pas, ça va être au mois de septembre. Peut-être qu'au mois de décembre. Donc on est face à un flou total. معليش انت كمل tu te prépares déjà مليح عليك. Il faut pas يعني واحد يقرا ويقرا pour l'échéance تاع l'examen. Il faut تتعلم تقرا لنفسك يعني باش تقاردي المعلومات وباش تفيدك يعني même في l'avenir. Voilà, juste je voulais souligner que les gens qui enfin j'ai entendu des voix qui disent معليش نخلو الناس يفوت هذه سيبو لي ليسيان لي كوليجيان يقول لك جو فو اون بوغي بوتيتر ليسي سادير لو باساج ا ان كلاس سوبيريور افيك ان ناف ان ناف دو مويان اي دو مويان مو جو سوي بيرسونيلمون جو سوي كومبليتمون ديزاكور افيك سا باسكو حنا كي نقراو وما نقراوش باه نفوتو اون باه نفوتو سي سكو جي دي مقبلة جي بارلي باش نتعلمو فوالا. سكو توت ا لور جي دي جو سي بلو دونز ان ابل جو كرو كو سيتي افيك ريلاس. En tout cas, j'ai dit, voilà, qu'est-ce que ça vaut, en fait, les examens, le canisara ou fait dès le Covid-19, qu'est-ce que ça vaudra, en fait, plus tard? Pas sur le marché, hein, pas sur le marché, mais déjà, qu'est-ce que ça vaut? C'est pour ça qu'il faut continuer à aller de l'avant hein, tout seul. Voilà, si on se permet maintenant à, comment dire, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, à violer les lignes rouges, parce que le passage à une classe supérieure se fait avec un 10 minimum. Oui. Si on s'arrange à la fixer à 4, oui. 9 ou la 8, ben ça sera comme ça pendant toutes les années qui suivent. On va toujours, dès qu'il y aura un petit barrage devant nous, on va s'arranger. On dirait, on l'a déjà fait, pourquoi ne pas le faire maintenant? Voilà, on va ouvrir les portes pour d'autres spéculations. Alors que déjà le système éducatif en Algérie, il est en train d'étouffer. Oui. Donc, il est à refaire. Franchement, le système éducatif en Algérie, il est à revisiter, on va dire. C'est le moins qu'on puisse faire. Tu fais ? Quand tu dis que le système éducatif, selon le mefhoum TNA, il est à revisiter, en fait. Et voilà, à mon avis. Oui. C'est-à-dire, à mon avis, je suis déjà. En effet, selon mes conseils. Sur les observations, je pense qu'il faudrait une refondation, une restructuration de notre système. Oui, profond. Le système, il est vétuste. C'est-à-dire, on commence par le préparatoire déjà à 4 ans, 5 ans, en passant par le collège, le lycée et même à l'université. Il faut revoir ça, à mon avis. Si on veut espérer, un résultat, on veut être un pays qui se respecte, voilà. Ouais, inchallah, Rabah, inchallah. L'éducation, elle est primordiale. Thank you, merci beaucoup, Rabah, pour ta participation sympathique. Welcome. Yatak saha, salimina ala gaa, nas dala al mizan, ou saha aftorkom. Merci. Ou tahallah, ofra wahtikom, mon jeune ami étudiant, que Dieu t'aide dans ta quête. Ou inchallah, Rabbi, nitchak, ou nitchak, kamil jazairiyin. وان شاء الله نشوفوا الجزائر امين يا الله ان شاء الله نشوفوا الجزائر الغد تكون احسن بكثير من ما هي اليوم. اسكو تقدر تورينا هذاك الحاج دو 86 ans لي برام الكورونا ما كاش هادي. ان توكا كاين ان مسيو ان هوم اجي دو 86 ans برا. ça m'a fait super plaisir. Voilà, inchallah rabbi yachfi gaa marda ta'na w yirham mawtana aussi. Je rappelle juste l'opération ta'al maharaz à 20h30 tous les jours du confinement qui reprend aujourd'hui. Donc à vous maharaz ntouma kamel. On va faire un petit tour nchoufoukoum. Est-ce que vous êtes présents sur notre page Facebook bach noud'oukoum, parce que c'est la fin de cet épisode. Tin Hinan et nous regarde, nous fait le plaisir de nous regarder. Merci Tin Hinan.
C'est des yeux de qualité qu'on a là. Eh oui, l'année blanche pour ou contre. Est-ce que le vote est terminé? Attends, les résultats. Allez, je me cache. Pourquoi il n'y a pas les chiffres hein? Carrel bleu, gris, j'arrive pas à lire ce résultat. Ok, Zohel Aberkan, je sais pas sous quelle forme est ce résultat. En tout cas, on pourra le communiquer en commentaire, c'est pas grave hein, à la fin. Donc voilà, je vais lire quelques commentaires. Anna Esma Bellissima qui nous dit bonjour à propos de la question d'aujourd'hui. Je pense qu'il n'y aura pas une année blanche au niveau des écoles et universités. Les cours universitaires poursuivent toujours à distance. Concernant le secteur de l'éducation nationale, j'ai entendu qu'ils vont compter le premier et deuxième trimestre, aux élèves, contrairement au bac. Ils disent qu'il sera rapporté à septembre selon les propositions des syndicats et associations des parents. Voilà, on devra vérifier ces informations. Nous avons Bilal Ouchfoun qui répond, je ne sais pas à qui. Au moment que tous les clubs sont subventionnés par l'État via des EPE, des entreprises publiques économiques, du coup, alors si on arrête toutes les subventions, ça fera quand même gagner un peu d'argent pour l'État et même pour les EPE. Ok, nous avons Walid MJ qui nous dit ça serait sans doute l'occasion de revoir les participations des différents partenaires des équipes entre la Sonatrach et la nouvelle entrée. Des amis du golf avec Serport pour ne citer que ceux-ci. Donc de plus, la mobilisation des services de sécurité lors des rencontres. Delsane il est ouf. Je sais plus si c'est ma mère ou si c'est une amie, on s'en fout. Goussem Samal qui nous dit merci à vous. Mourad Ait Akash qui nous dit salam de Montpellier, toujours présent. Salam à toi mon ami. Liuma Slimna ala Richter. على الكوتي بور ماريان بور ماريان وناس ريشتر وسلمنا على عندهم غيلاس كي انتخاد نو رغاردي سلام تحياتي ليك ولوليدك إليان مبابي جو كوا كو فوالا فهمنا شويه لو رابروشمون زيدو نقراو شويه لي كومونتير ولا نقول لكم بقاو على خير بون نسيما ورحمو كي نجي بونجو جو با لي شيف خرج لي غري بلو. Alors le sondage pour la fin de pour une année blanche, on a les pour qui sont 36%, qui constituent 36%, oui. 50% contre et 14% sans avis. Hado mal les sans avis, kayen bzaf menhom fi ljazair, yqadou ghir yahsou chkon andhom les avis, yqoulou nta ghalt w nta machi ghalt w houma ma andhomch avis. Men antoum, ana habbin na3rfou men antoum. En tout cas, 50% sont contre la fin de cette année. Blanche, et moi je suis contre la poursuite de cette émission, donc je vais mettre fin à cette très sympathique émission passée avec vous. Atakoum Saha, merci beaucoup de nous avoir suivis cette semaine, c'est le dernier numéro de la semaine. Atakoum Saha, Saha Ftorkoum, ou Saha Shurkoum. Eh la technique, Shahrazad Amalouch, la technique, Amin Tfal, l'artiste, la technique aussi, Khoya Ragnar. Reda, le professionnel de la réalisation. Zohel Aberkan dans la réalisation digitale, hein, dans les écritures numériques. Et Ihsan Al-Qadi, Fouq Al-Kul. Assalamu alaikum. Yeah.